bien. Oh, un beau loup. J'adore ce loup. Pascal, j'adore le loup. J'aime beaucoup ce loup. Mettre sur l'épaule pour la matinée. Mon loup, mon loup. Oh, bonjour. Bonjour, bonjour, mon loup. Mais toi, c'est un pervers. Eh ben, ça, c'est... ça serait d'autant mieux. Sylvie n'est pas là pour voir mon loup. Et personne n'y croyait, et on fait le plus gros, pas ma grande surprise, hein, le plus gros carton de licence d'Arte depuis un an. Mais pour eux, c'est 400. Disent que le film a fait un carton. C'est un film assez compliqué, scientifique, et qui raconte comment on ment. C'est l'histoire des centrales. Comment on nous a menti, comment elle s'en est de l'industrie militaire, etc. Et comment ils ont délibérément tué une industrie nucléaire naissante qui était soft, qui est celle du thorium. Et donc le film raconte ça. Quoi. Donc on est sur le dos les écologistes, parce que dès que tu dis nucléaire, tu te prends des décharges. Et puis on est sur le dos Areva, EDF, qui n'ont jamais investi un centime là-dedans, parce que c'est pour les gens. Et, enfin, c'est une, comment dire, c'est comme un atome vert, quoi. Ça ne peut être pour le bien de l'humanité. Ça n'intéresse pas EDF ni Areva, quoi. Donc c'est des nouvelles polémiques. Mais j'aime assez ça, moi. C'est assez marrant parce que. Ça, je veux dire. Mais aussi l'autre et surtout l'autre. Sapiens. Parce que c'est tellement extraordinaire, ça explique justement comment je sais pas, il y a des espèces de choix qui sont faits comme ça, qui deviennent irréversibles, mais qui sont bâtis sur des constructions mentales aberrantes, mais après on est obligé de continuer comme ça pendant des millénaires sans se rendre compte du départ de l'action, quoi. Comment là, ça s'appelle, par exemple, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. C'est Sapiens, vraiment un, pour moi c'est ma nouvelle vie. J'ai vu quelque chose. C'est comment votre prénom? C'est qui pour vous? Pour Véronique, c'est alors. Moi, c'est donc en fait, je sais pas, mais c'est encore un... Parce que par exemple, le diesel, c'est pareil, le diesel nucléaire, c'est pareil, c'est une erreur de base au départ, mais on est obligé de continuer, parce que ne serait-ce que parce que maintenant, en France, 70% des gens roulent au diesel, et si on interdisait le diesel, il y a 70% des gens, des millions de voitures qui seraient à mettre à la casse, donc on peut pas le faire, donc du coup on continue, mais donc on a de plus en plus de gens dans notre entourage qui ont un cancer, mais on fait semblant de faire comme si c'était la faute à telle ou telle chose, alors c'est simplement la cause, on l'a garé dans notre garage, quoi. C'est le gros souci de cet animal prétentieux qu'est l'humain. Un petit, petit imploseur, tu connais ou non, pas du tout? J'ai découvert ça hier. Ah, écoute, tu vas voir, tu vas... Oui. Alors c'est avec Dupontel, ouais, c'est Albert Dupontel qui... C'est moi qui remercie. Merci, le héros, tu vois, c'est... Ouais. J'ai piqué sa physionomie avec son accord. Hein, très bien. Pour effectivement... À l'époque, je faisais pas de cinéma, donc... il fallait que je me fasse encore. Vous l'avez lu, alors, un copain aussi. Ah, tu t'appelles comment, Philippe? Au revoir. Au revoir, merci, bonne continuation. Ben écoute, ça m'intéresse. Payez déjà en plein. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut le voir? Pour Hélène. Il a écrit avec Jérôme. Oh, c'est son seul roman. Je vais lire le deuxième paragraphe. Bonjour. Vous savez ce que c'est? C'est dernier, il vient de partir. Non, il reste encore quelques-uns. Oui, bah oui.
Alors moi j'en suis refusé. Vous me laissez en dire vous-même, je vais tout remonter. Un peu, ouais, ouais, ouais. C'est moi où je vous le connais. Et le plus beau. Des Katy quand même. Mais je suis un peu le roman. Sébastien. Sébastien. Voilà. De grenades. Je me demande quand non, non, mais le, ça me presse absolument pas. Je peux savourer. Je peux savourer. Ah, je... Il y a la mine qui va après. J'adore cette année. Ah oui, il vous va bien autant. Mais vous ressemblez un peu hein, quand même. Hein. Je le reconnais. Oui. Je le reconnais. Elle est dans l'angle. Non, mais c'est pas grave. Ah oui. J'étais commis. C'est le cinéma. Le cinéma muet. Plus il a rattrapé. Il a appris que j'étais désacrédité. Oui, oui. Il a téléphoné pour exiger que le rendement. VHF a fait exactement l'exact. L'inverse. C'est-à-dire bon. D'accord. Donc Gonard a très bien assuré donc il y a mieux. Combien de fois il vous a attaqué en justice, Bernard? Jamais. Car pour son look, ça serait Kata. Donc chaque fois il est mieux, il a eu une escorte mieux organisée. De plus en plus policée, de plus en plus de gorilles, de gros bras. C'est vrai qu'à chaque édition. Mais nous sommes chaque fois plus nombreux. Cette fois-ci, la dernière fois, une trentaine. Et c'est quatre pétroleuses qui l'ont attaqué en même temps, dont l'une en l'air, comme dans les films de Kung Fu de Tsui-Hark. Qu'est-ce que c'est pétroleuse? Une pétroleuse est une jeune femme pulpeuse, et pas seulement belge, il y en a dans toutes les nationalités des pétroleuses. Et je te laisse continuer la définition, Boudou. Une pétroleuse, c'est... Alors, l'appellation a été créée sous la Commune. Louis Michel en faisait partie, c'était les incendiaires de Villa de Galetteux. Et nous aimons beaucoup le mot qui... une pétroleuse, c'est une délicieuse fouteuse de merde. Totalement. Il y a eu Claudia Cardinal et Brigitte Bardot comme pétroleuses. Oui, ça c'est un nanar de Christian Jacques qui s'appelait les pétroleuses, mais nous préférons notre propre définition sauvage. Oui. Rien à voir avec l'image du soutien-gorge au bleu après-guerre, bien avant ça. Quoique... un soutien-gorge obus à la crème, ça peut être pas mal. Alors, ça fait un truc. C'est vrai ? Alors, Gaudin par Gaudin, du coup. C'est un recueil de mes faux. Durant une douzaine d'années, j'ai saboté mon boulot de critique en injectant un maximum de faux, sans que mon rédacteur se méfie du tout. Et c'est un recueil de ces forfaits. Donc ça a été publié à l'insu de la rédaction. À l'insu de la rédaction, il y a eu pendant combien de temps, une centaine de fausses interviews, questions réponses. On a, avec mon ami Jean-Pierre, nous avons inventé une cinquantaine de cinéastes dont on donnait des nouvelles régulièrement. Dont 8 ans. Dont Viviane Pei, cinéaste thaïlandaise, réalisant des films comme La fleur du lotus n'atteindra pas les bords de ton île, des films d'autant plus magnifiques qu'elle était aveugle. Ah oui. Et un spécialiste du cinéma asiatique est parti à sa recherche réellement en Thaïlande. C'est magnifique.
Il est revenu fou furieux, mais il nous a pas dénoncé. Quel charisme. Quelle force de persuasion médiatique. Elle a sa fiche sur IMDB. Ah oui, parce que le faux se répand dans la presse, dans les bouquins d'histoire et dans les magazines de cinéma sérieux que nous corrompons allègrement. Cet homme avait la famille. Ah là 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 là. Ouais, ouais. On devait accompagner nos faux de photos. Mm-hmm. Qu'à cela ne tienne, on a fabriqué les photos nous-mêmes, ou on filait des photos. C'était quelles années, ça, vous aviez mis du c'était pain dans sur la planche. Dans l'équivalent belge de Télérama. Ouais. Les amis du film et de la télévision. Bravo. C'est ça. Catholique. Ah, oui, c'est Télérama. Les amis catholiques ou la revue? C'est la revue qui se vendait à la sortie des églises. Une petite griffe pour me réexpliquer ça en quatre mots. Et là, c'est Jean-Luc Godin. Ça donne référence au Godard par Godard. Godin regarde dans une pellicule et là c'est un poireau comme on peut le constater. Stan. Petit prénom Stan. C'est vrai qu'on pourrait faire des cadeaux. Vous pouvez acheter la pile. Hein, c'est... Voilà, c'est ça. On aimerait bien. On aimerait bien, mais. D'ailleurs, ça serait bien aussi pour l'éditeur qui fait un travail extraordinaire. Yellow Now, oui. Oui, Yellow Now. Ah oui. Qui édite surtout dans des livres de cinéma. Mm-hmm. Ou sur la photo. Ou sur la photo. Éditeur belge ou français? Belge. Belge. De Liège. Il faut regarder. Boudou. Et il y a une très belle préface de Jean-Pierre. Ah, c'est bien de le faire co-signer. Allez, je vais le faire co-signer pour la préface. Ah, pour d'avoir préface, sa version d'histoire. Totalement. Et je signale que dans le ciné, qu'il y a cinq auteurs ciné qui sont là. Si on désire le dernier numéro du Canard, il y a assorti par leur signature. Comme un bon ballon de foot. Voilà, moi, je vais prendre ça. Comme un bon ballon de foot qui vous expose au visage. Oui, il y a Maïrich. Oui. C'est bien. Très, très bien. Il paraît que vous avez préfacé ce formidable recueil pour avoir participé. Absolument. Alors, je veux bien une petite dédicace. Tu peux dire je suis d'accord. Oui, bon pour accord. Alors là, vous avez Jean-Pierre Bouchard, un peu plus loin de cette partie-là, le Marc-Claude, Jean-Marc Montparpetit, l'écrivain, Francis Dubuisson et Benoît Sulpine, qui a. C'est une anthologie de nos escroqueries. Alors quoi, nous anthologie de mes.
C'est qui l'ambassadeur? Le libraire. Ah, c'est écrit comme ça, il y a marqué on se lance dans l'ambassadeur de Groland. Oui, oui, j'ai vu. J'ai vu. L'ambassadeur quoi local. C'est très très bien, je l'ai lu, c'est très bien. J'ai fait tout le monde. Oui, c'est vachement bien. La base, ce qu'on m'a dit, c'est toute la bande là. Pour les un certain nombre. Ah, je crois que c'est pas mal. Attendez, là, j'y vois rien. Vous avez droit, hein. Et là, elle l'a pas en face des trous, je crois. C'est pas facile. Attendez. Bon, ça va? Voilà. Oh, c'est regardable. Merci. Ah super. Bon, il y a un peu de reflet, mais... Oui, non, mais c'est très bien, merci. On parlait des... Alors, je vais faire mon journal. Non, le livre, vous le posez sur la pile. Bah, merci beaucoup, les gars. Oui, ça va. Ça me change. Ça va peut-être pas l'aider. D'accord. Alors, tu habites en Italie maintenant, alors, si tu tournes en Italie? Peut-être, mais j'ai encore un peu de... Non. D'accord, non, mais... On s'est bien porté, on s'est un peu... Il faut pas leur faire payer. Il faut pas leur faire payer parce que c'est un cadeau. Et ils étaient un peu partout, on avait une bonne idée. Au stand de l'âge d'homme se trouvant non loin de là, arrivaient petit à petit des complices qui ne se connaissaient pas, au mot de passe, gloup gloup, on leur remettait dans une main un sac avec une tarte à la crème, dans l'autre main un verre. Un cocktail s'était improvisé sur le stand pour ne pas éveiller des soupçons. Et à un moment donné, l'alerte, une première vague d'assaut chantilly à la Spartacus a déferlé sur le stand Grasset. Les gardes du corps ont été enjambés. Notre ami Bérénice n'a eu
à bout portant. Il était ce changé. Il a repris la séance de signature stoïquement, avec une garde renforcée, quand la deuxième vague d'assaut a déferlé sur lui. Et cette fois, il y avait le directeur de Grasset qui était là. De tous les stands venaient des spectateurs nous applaudir d'un peu partout. Totalement, c'était la folie, le happening total. Et il a retourné son courroux contre le directeur de la Foire du Livre en disant « Je ne mettrai plus les pieds ici. » Ben, bravo, gagné. Et Sarko, vous avez essayé ? On l'a eu. On l'a eu quand il était ministre de l'Intérieur. Refrain une demi-heure à Bruxelles. Ah oui, c'est vrai. Une fois qu'ils sont présidents, c'est foutu. Ah oui, oui, c'est vrai. Il ne faut surtout pas essayer d'ailleurs, ça serait trop dangereux. Ouais, c'est trop dangereux. Là, tu vas en taule. Là. Non, puis il peut y avoir des armes. Tu ne sais pas, franchement, un pruneau dans le tronc. Oui, c'est ça. Tu veux pas me le délicacier, je vais l'acheter. Ah ben si, dame. Comme ça, voilà, j'ai beau, je découvre. Ah! Pour qui tu mets? C'est pour toi carrément. Pour nous? Pour nous, oui, pour moi. Je me suis dit, j'arrête d'écrire, j'écris un scénario. Et donc, je connais un bouquin qui s'appelle Tout ce que vous devez faire si vous ne voulez plus être écrivain. C'est un critique littéraire anglais qui a écrit ça. Et il s'appelle Connolly. Cyril Connolly, c'est sorti chez Grasset il y a une quinzaine d'années. Et le mec explique ça, mais il explique ça dans les années 20, 1900. Et il n'y a rien de plus vrai. Parce que je suis en train d'écrire des scénarios pour les cinémas. Je suis incapable de totalement d'écrire quelque chose. Donc,